Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord. Jeudi, nous sommes mercredi 20 mars 2024. Bienvenue dans la troisième édition Journal en Créole. Nous avons présenté par Zami Ondier Cheristal en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan national, suspense toujours à continuer sous composition officielle et installation conseil présidentiel dans transition. Pendant que comme Bote parle, décide d'installer conseil là. Hôpital vendredi cap vini là. Yon gros gradé dans l'armée américaine fait qu'on est Washington n'a pas gain en tête pour qu'on gain en tête non plus pour qu'il capable voyer aucune troupe dans l'armée américaine dans le pays d'Haïti pendant pays d'Haïti a fait face ensemble avec insécurité avec gang qui armé. Si mes amis internautes, actualité sous plan international, dans moment n'a parlé là, gagné sixième déplacement dans cadre visite officiel, gagné secrétaire d'État américain Anthony Blinken, li fait dans objectif pour camper détérioration situation humanitaire dans le pays Gaza. C'est tout point ça yo ak divers lot nous va gagner pour nous développer pour dans journal ça, restez connecté avec nous d'une façon pour bien informer. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal si là. Dans le moment n'a parlé là, situation est difficile dans le pays d'Haïti et principalement en dedans Pétionville. Depuis 29 ans, février qui se passe à la côté insécurité a acharné en dedans pays d'Haïti en pile côté pas capable fonctionner tel que gen la ville gagné dans Delma gagné dans Pétionville et dans dernier jour ça yo surtout gagné lundi qui se passe là te gen plus que yon trentaine moun qui te fait voile pour pays sans chapeau hier encore en pile moun tombé et matin en dedans Pétionville yon l'autre fois encore amis internautes ça m'a te continue à chanter dans zone Doko dans zone Greffin ensemble avec plusieurs autres zones environnantes madame mademoiselles et messieurs et bien gen hier soir situation était extrêmement compliquée pour ouvrir matin après gagné 5 moun yon rive joine qui fait voile pour pays sans chapeau et nous allons inviter vous pour que vous capable tendre dans Pétionville comment situation l'été hier soir côté nèg armé envahi Pétionville et même entré la caille yon série de moun entendez. C'est comme sa situation les mêmes liens insécurité a sorti en bas la ville passé pis de l'autre côté et atterri en dedans Pétionville et bien pendant gang ça yo envahi mes communes Pétionville là entrer la caillon c'est des monde fait ca déjà que sous monde bat monde touyer monde et même rive kidnapper et c'est comme sa situation l'été hier soir en dedans Pétionville situation toujours à continuer gagner gros suspense en dedans conseillant en conseil présidentiel transition et principalement en dedans CARICOM. Et CARICOM, après toute intervention qui fait auprès de plusieurs partis politiques dans le pays d'Haïti, et gagné, amis internautes, la gagné CARICOM, lui-même qui décide pour que capable de gagner conseil présidentiel qui pour former avec 7 membres, et gagné l'idée petit de Saline lui-même
qui m'a dit, c'est avec toi, maman. Et conseil président et gagné CARICOM ensemble avec l'ONU, yo tout en de conseil, mandé ensemble avec parti politique, yo, après sept maman qui ont même yo fin voté, et gagné plusieurs partis politiques qui voyaient, et gagné six maman, nan moment n'a parlé là, qui déjà prêt, et bien, pour former conseil là, manqué yo gren, et c'est gros suspense qui gagné pour connaître est-ce que c'est avec six maman, CARICOM lui-même a fonctionné, est-ce que c'est avec nan moment n'a parlé a gagné leader parti petit de Saline qui pas voyer personne gagné aidé red compromis historique qui voyait madame Marie Justine Gilles Lavalassan lui-même voyait Lesti Voltaire et ensuite sans oublier madame mademoiselle et monsieur Fritz Alphonse Jean et Akomontana li voyait de suite ensuite gagné capable dit gagné 6 moun qui déjà prêt pour conseil présidentielle transition. Entre-temps, gagné CARICOM après réunion hier lui-même que le fin fait de conseil ensemble avec l'ONU, eh bien à huis clos, gagné yon gros intervention qui fait qui montrait madame mesdemoiselles et messieurs, conseil présidentiel ça côté que premier ministre Ariel Henry côté CARICOM va gagner pour qu'elle capable voyer Bali pour qu'elle capable eh bien faire un conseil des ministres pour capable faire choix de qui est ce qui t'a supposé entrer dans le palais national dans le moment où on a parlé là. Et bien, d'après toute dernière intervention, d'après toute dernière information, tout, et bien, CARICOM lui-même, il est prêt pour qu'il soit capable d'installer et bien, conseil présidentiel ça, pour qu'il soit capable de bailler dans le moniteur, et surtout, Premier ministre Ariel Henry, qui doit bailler officiellement affiché dans tout le monde qui va gagner pour qu'il soit capable de faire partie du conseil présidentiel là, au plus tard, vendredi, qu'il vient là, qui gagne, CARICOM les mêmes va gagner pour capable placer tout membre conseil présidentiel transition. Entre-temps, gagné Moïse Jean-Charles lui-même bon côté parle pour lui-même c'est pourquoi j'aime transition pays à ça et moun qui va gagner pour que capable placer dans tête pays à c'est va conseil conseil présidentiel en transition trois maintenant cap sorti en dedans petite Dessaline. Entre-temps m'a invité comment que vous capable tendre Moïse Jean-Charles en leader parti petite Dessaline qui t'a expliqué CARICOM c'est jouet tech lui même ni a fait li poko prêt pour le placer et dans le cas où conseil ça li t'a placé li pas jambe en paix lui même li pas boire TV 24 CARICOM entendez mobilisation pour haïtien. Nous voulons CARICOM, nous avons nous, nous conseillons Ariel Henry avec l'Occident. Mes Parisiens, nous sommes prêts de faire ça. Mes Parisiens, nous sommes prêts de faire ça. Nous jetons. Mes Parisiens, nous venons matin devant la presse, parler, écrit et télévisé, pour nous répéter encore, conseil ça, non seulement. Non, pas empêcher l'installer. Deuxièmement, nous pouvons faire face à une opposition qui va me quitter le travail. Parce que dans le Conseil Sahara, c'est Ariel, c'est la bourgeoisie qui vient dominer le Conseil Sahara. C'est ça que je fais. Et messieurs, voilà, ça c'est des petites Dessalines, lui-même qui t'a parlé dans nos petites Dessalines et que conseil présidentiel transition ça que CARICOM livre imposé ensemble avec un pays ça son conseil qui pas jamais capable mettre sous pied dans le cas où conseil ça l'état mettre sous pied il pas jamais en paix parce que population ensemble avec petite Dessalines prêt à camper en quoi pour opposer contre lui-même il pas jamais capable de travailler. Yon l'autre côté, amis internautes, en pile information a circulé sur tout
territoire, eh bien, fait qu'on est que gagné américain déjà préparé pour qu'il soit capable de voyer des troupes en dedans pays d'Haïti pour capable contrecarrer et bien gang qui a bail problème dans pays d'Haïti et bien gagne un gros regardé là les mêmes qui placé dans l'armée américaine qui c'est madame Laura et Richardson les mêmes qui fait qu'on est madame mesdemoiselles et messieurs Washington les mêmes l'ipoku gagne aucun plan pour qu'il soit capable de voyer pièce en troupe dans pays d'Haïti qui pour ta fait face en goumen fait face carré ensemble avec gang qui a simé la troublaille dans pays d'Haïti. Mais entre-temps gagné madame mademoiselle et monsieur en pile information a circulé tout comme quoi que américain effectivement que yo même yo t'ai déjà fait déclaration ça pour que yo capable débarquer effectivement dans pays d'Haïti et bien gagné ces deux pays yo même qui t'a arrivé mettre tête ensemble pour que yo t'a débarqué dans pays d'Haïti c'est à pays les États-Unis ensemble avec le Canada yo même qui déjà qui déjà mandé madame monsieur avec ministère de la défense de la République dominicaine pour capable joindre un passage pour entrer et joindre équipement etc et même avion soi-disant hélicoptère tout pour entrer en pays dans pays d'Haïti fois ça c'est pas pour capable vinn bail sécurité avec ambassade américaine mais c'est pour capable vinn entrer dans pays d'Haïti pour capable faire face carré ensemble avec gang qui a bail problème et pour capable sécuriser et bien tout ça qui est de sécuriser en dedans pays d'Haïti pour capable et bien aider population haïtienne et traquer gang qui a bail problème. Entre-temps, jusqu'à présent, en lien pour qu'on clair sous situation ça, il y a deux versions et bien qui a parlé c'est que l'armée américaine d'après toutes dernières informations qui t'a fait quoi que bien surtout Listine Diario lui-même qui bail information ça, c'est que l'américaine lui-même li gagné pour entrer très bientôt qui va gagner jour ni va gagner l'heure et tandis que gagné madame Laura Richardson lui-même qui déclarait ça fait question américain va gagner pour entrer dans pays d'Haïti lui-même États-Unis pourquoi gagne plan pour capable voyer aucun troupe dans pays d'Haïti pour capable venir couper gang qui a bail problème dans pays Desaline. Mes amis internautes, gagné jusqu'à présent situation li paraît yon ti jan tendu dans pays d'Haïti et surtout ensemble avec gang qui t'a bay problème en dedans ka vous fait là après que ti la pli li couri derrière yon latrier moun en dedans ka vous fait dans plusieurs quartiers dans tout quartier yo et bien gagné yon latrier moun qui décidé retourner en dedans quartier yo pour que capable vienne fonctionner mais c'était gros manifestation qui t'a fait pour tellement moun sa au content après que Ezekiel yon nan chef gang qui gagnait ni chef bazan pilote la lui-même qui mandé avec toute population qu'a vous fait là pour capable retourner la canou vienne fonctionner libre et libre et population t'est obligé mettez quoi dehors manifester contentement yo a demandé et que mais ça Ariel Henry li pas capable faire c'est Ezekiel qui qu'a fait si gain pouvoir Henry pas capable boire qui est c'est Ezekiel qui capable ou ami internaute. Actualité a nan pays étranger gagné 6e déplacement et ben citoyen ça qui va regarder sur écran qui c'est Anthony Blinken qui fait un déplacement le ministre affaires étrangères pays États-Unis lui même qui déplacé pour qu'il capable aller nan Moyen-Orient de quoi que pour qu'il capable camper ça qui est le détérioration et situation humanitaire dans pays Gaza pays ça ensemble avec gagné humanitaire gagné Gaza ensemble avec l'armée israélienne non deux pays ça au même qui gagné un gros bataille qui gagné depuis côté que un latrier moun en dedans Gaza te kidnappé un latrier israélien le 7 octobre qui s'est passé là et jusqu'à présent gagné l'armée israélienne au même yo cementé 7 fois 77 fois tout autant gen moun ki existe en dedans Gaza yo pa jam suspend fini avec Gaza et pour quantité moun ki ap mouri dans Gaza mais genye secrétaire d'état américain Anthony Blinken obligé refouer boucher dans causé pendant 6e visite de quoi que pour capable camper sous toute détérioration situation humanitaire dans Gaza de quoi que capable gagner la vie en dedans pays si là. Voilà, amis internautes, c'est tout point ça yo ak divers lot nous t'rivé développer pour dans journal ça. Rete connecté ak nous yon façon capable toujours bien informé. Moun ki t'a présenté au journal jeudi an
édition. Jeudi, qui c'est troisième numéro pour ce matin, c'est tes amis, Jerry Chérestal, qui a quitté ensemble avec VOA Creole. Bonjour, bonsoir. Un point cap dominé, actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, suspense l'a continué sous composition officielle à installation conseil présidentiel transition pendant que CARICOM dit discussion yo a continué. États-Unis ont placé dans l'armée américaine fait qu'on est Washington pas gain plan kounia pour voyer troupes dans pays d'Haïti qui a fait face à un pile violence gang armée. International 6e déplacement dans région Moyen-Orient pour ministre affaires étrangères Anthony Blinken qui gain pour objectif entre autres camper détérioration situation humanitaire dans Gaza. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour un rendez-vous info, actualité à nan pays d'Haïti. Eh bien, c'est toujours gangamé, qui a fait la pluie et le beau temps, en pile violence. Et situation ça, eh bien, la cause que République dominicaine prend plusieurs et décisions, notamment elle prend décision sous frontière et les partager avec République dominicaine et sous frontière que le partager avec pays d'Haïti. Nous avons un envoyé spécial, nous, Jean-Robert Philippe, qui lui-même trouvé en République dominicaine. Jean-Robert Philippe, grand pile décision qui prend, d'après toute nouvelle, yo, et bien, autorité dominicaine, il prend décision par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Ça, ouais, ça, attendez. Effectivement, là, c'est une situation. Pas de aucune amélioration au point de vue de l'opération, par exemple, que l'autorité dominicaine a commencé depuis longtemps en termes de pour opération les déniché haïtiens qui a venu dans le pays illégalement pour déporter. Donc c'est des centaines de milliers qui sont déjà allés depuis les prisons et du Sabinadel qui prend une décision pour continuer avec l'opération et déniché et déporter haïtiens. L'opération ça n'est pas suspendre. Mais dernièrement, dernier incident qui est passé en Haïti, le gouvernement était fermé, ou bien encore le gouvernement dominicain était fermé pour lui était fermé. Et bien, il y a des Haïtiens qui ont même décidé de retourner la caillou volontairement, parce que Dieu va capter et chasse à l'homme que l'immigration dominicaine a fait contre eux. Donc, moi, ça, j'aime qui décide de retourner contre eux. Et c'est un aspect, j'apprends que nous avons gardé pendant les décisions de faire frontière haïtienne et dominicaine, particulièrement dans notre d'Arabon, et nous avons constaté l'opération a continué et d'après ça, tout le monde qui est dans la zone nord bien moins responsable de nous, l'opération a continué et il n'y a aucun signe qui montre l'opération ça l'a frappé. Jean-Robert Philippe, il y a une question tout sécurité que vous avez mis plus sous frontière et République dominicaine partagée avec Haïti parce que vous dit que grand pile gang dans le pays d'Haïti vous pas remet que eh ben les gon bagaille pour moun ta vinn entrer en République dominicaine qui genre ambiance frontière. Bon, ambiance frontière vraiment dit pas regarder plus sous présence policière même et ça va laisser sous frontière là. Et nous demandons par exemple un commandant qui est responsable et garnison qui sous frontière et qui s'est qui est raison toute force sécurité ça là. Et bien ça lui pour nous dit nous que c'est pas que augmenter présence. Quand c'est mon qui était là et toujours là mais c'est seulement qui plus qu'on qui actif. Par exemple il dit nous si qu'un deux monde a proposé qui était qu'on nous posait longtemps mais qu'on y a fait un monde nous posé. Alors raison il dit nous c'est parce que j'ai une situation la troupe là en Haïti avec gang armé qui a semé la terre et bien eux-mêmes ils obligé ouvrir géo plus pour éviter que gang ne pas venir traverser la carrière venir barre plus pour que ils là tout mais ils ont dit que dernière décision que ont prend pour augmenter mesure vraiment c'est surtout après prison qui prison qui écrasé et monde qui sauvé et bien ils ont dit que les nèg sauvé nèg qui doit chercher côté qui puis prier pour réfugiés et ils dit au côté qui prier pour eux-mêmes c'est à la République dominicaine. Ça va gagner longtemps, le ministre de la Défense dominicaine fait visite frontière et il a annoncé que normalement, il y a augmenté mes sécurités justement pour qu'il y ait pour les gens. Concernant les Haïtiens qui sont sur l'autre bord, eh bien, ils ont fouillé quand même. Et il y a un agent haïtien qui l'autre bord qui a supervisé pour qu'il n'y ait pas abusé Haïtiens qui sont sur l'autre bord. Eh bien, il dit nous, contrairement à ça, il y a des gens qui sont sur l'autre bord avec valise en meilleur, gros sac en meilleur, puis ils ont fait fouille. Et bien, ils jouent que les gens ont des armes dans les mains, ont des armes dans les valises, ont des munitions, tout. Donc, ça fait l'autorité dominicaine. Ils ne parlent pas de responsabilité pour dire que les armes, c'est la caille aux armes qui sont sorties pour entrer en Haïti. Donc, ils prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter ça. Mais, les sécurité, vraiment, ou pas capable pour camper leur parade. Et sur tout le plateau, il y a des points de vérification.
côté que gendarme dominicain campo li mande pou nou sorti et garder machine nou pour le sou pa gen quelque baldol pour pas rentrer entrer et ou pas dû apporter baldol tout aller non l'autre côté surtout avec frontière haïtienne dominicaine. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole la VOA créole en République dominicaine dans le moment que Haïti a vive une situation qui compliquée côté gang armé continuer à simer l'intérêt dans Pétionville, c'était tête en bas. Nous allons rejoindre correspondant nous Massia Dovilme dans un petit moment. Et Nabdi Jean-Robert, merci. Et puis, et l'autre point qui a dominé l'actualité à tout, en avant que nous allons rejoindre gang armé qui a simé l'intérêt, gain Yves Manuel tout qui parlait nous de situation côté que eh ben gampil suspense qui sous question conseil présidentiel de transition hein? Eh ben et nous connaît que d'abord gagne CARICOM qui gagne pour recevoir tout noyo et puis gagne pour passer le bail premier ministre Ariel Henry mais nous parlons sous gango qui continue à assumer la terre nous parlons au jeune Massia Dovilme depuis Port-au-Prince. Depuis 29 février passé, gang assiégé capitale là. Côté bureau administratif, aéroport, l'hôpital, banque commerciale, sibi attaque groupe civil armé yo k'ap mené yon bataille sans camper contre gouvernement Ariel là. Et Pétionville pa épani en bazak bandi yo. Côté matin mercredi 20 mars 2024 là, nous rivé constater 5 corps sans vie qui est papier dans différents rues dans commune là. Jean-Robert Vincent, yon militant k'ap évolué dans Pétionville, dit c'est monsieur vive ensemble yo k'ap komet zak si là dans commune là. Et vivre ensemble qui kembe Pétionville là k'ap kase Pétionville là. C'est vivre ensemble. Nèg barbecue yo, comprend? Hier soir c'est fête qui fête dans 95, fête dans Monaza, fête dans Bristou, côté au place son bandi, yo chef gang qui le Macandal. Mais jounen jodi a là, mais kembe Pétionville là depuis hier soir pour le matin là, yo vle placer bandi tout côté dans commune, placer chef gang, mais nous-mêmes nous pas prendre la main yo. Pétionville pas péri. Nous-mêmes dans la Pétionville, n'a goumé jusqu'au bout. Nous disons que nous vivons ensemble encore, barbecue. Nous te disons, vous êtes amenés, nous prenons la virelle sous bouche monde qui te mettent dans nous. Mais je vous dis, c'est sous bouche peuple qui te nous. Haïti est un gros pays, nous sommes un grand peuple. Monsieur, nous sommes à Calais pour le tourner. Et peu pas ici, nous sommes à Calais. Nous-mêmes, Pétionville n'est pas péri. Nous devons dire, dans le dernier jour, Pétionville est une commune. Nous sommes capables de mener l'activité sans aucune inquiétude. Avant qu'en âge 18 mars 2024, là, qui te pote aller la vie plus passe yon vingtaine femme ak garçon. Kek machin qui te parle ak nous exprime kek ase yon gen pou commune nan. Gen kouri, gen manifestation, men bakon di kon sa. Waron tan de bruit bal, moun ap moun wap leve nan matin, pou jen moun mouri, et lor rive nan machin, jen plize moun la ri blanche. Matin mal la ville, jan mwen an ou ici, te am basse la ville ki ta pou blanche, kon sa la ville gen plus moun ki an ou ici. Donc, vous passez oui, Pétionville a même genre d'autres zones. C'est pour Jean Mouel, là, pas de gens qui sont morts comme ça. Pétionville de Konde Bagay, oui, mais nous pas de vivre Bagay ça. Situation ça, nous pas de vivre. Est-ce que vous pensez que situation ça a fait Pétionville tourner même genre avec la ville? Ah, la ville, puis mal. Parce que matin, moi, je suis en bas la ville. Pour moun moi, je suis là, moi, je suis pas jeune. Il était environ midi dans Pétionville, puis précisément zone Bristou. Force de l'audio, tu as croqué Konde avec Bandi, tu as cherché si mes plis la troublée dans la commune. Là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme, au VOA créole. Donc dans le moment, gangame continue à simer l'intérêt dans le pays d'Haïti et puis précisément dans Port-au-Prince, il y a un gros responsable dans l'armée américaine qui fait qu'on est que pour le moment, Washington n'a pas un plan pour envoyer troupes dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire, gain détail. Start with you definitely didn't expect this. Dans un forum, organisation Atlantic Council organisé pour discuter sous question sécurité, général américain Laura Richardson te répond question sur Haïti. Journaliste magazine politique américain Politico te demandé si États-Unis a considéré voyer militaire en Haïti. No, not right now. Not right now.
Il dit non, pas kounyen. Li ajoute, l'armée toujours à planifier pour n'importe quelle situation possible. Certainement, ça a passé à Haïti décevant. Donc ça, commandement sud de l'appareil pour faire, c'est assurer une réponse nous faite aux façons humaines face à la crise actuelle. Là. Certainement, département d'État nous, avec négociations diplomatiques, avec solutions qu'il y a à gérer avec l'autre gouvernement dans Caraïbes, avec nos communautés internationales, avec nos l'ONU tout, nous espérons que les forces aillent à absolument remporter succès. We hope that those will absolutely be successful at the end of the day. Journaliste l'a demandé après ça si troupes américaines t'a qu'à faire partie solution internationale pour crise Haïti. They could be at the end of the day. We wouldn't discount that at any time. L'idée c'est une possibilité en fin de compte. Nous pas écarter possibilité ça si on connaît sa capacité Haïti, ça nous ouais nos value qui donc nous paraît si au cas département d'État avec département de défense nous en demandé nous pour nous faire ça. Department and by our Department of Defense. Département d'État avec la Maison Blanche répété plusieurs fois que administration a pas gain intention participer militairement dans force sécurité multinationale qui a comme mission aider police nationale Haïti combattre gangs et puis sécuriser pays. Kenya volontiers pour diriger force là que Nations Unies autorisées et puis contribuer 1000 policiers la donne. Et plusieurs autres pays parmi les Bahamas, Jamaïque et Bénin qui volontiers pour contribuer policiers tout. États-Unis promettent pour contribuer 300 millions de dollars pour appuyer logistique, équipement et services pour pays qui ont contribué à force là. Cependant, il y a un sénateur et député républicain dans le Congrès qui a refusé de décaisser l'argent parce que l'administration Biden n'a pas baillé assez de détails sur force là et il y a un doute sur la possibilité pour le tribunal pays Kenya pas empêcher pays à participer dans les efforts pour sécuriser Haïti. En Haïti, chef gang haïtien Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui représente le groupement gang Vive Ensemble, menacé pour le combat force là. Nous-mêmes haïtiens, nous avons campé et nous avons gommé contre nous. Nous avons gommé contre nous jusqu'au dernier bout de sang. Et gommé ça, c'est peut-être ça nous sortir. Nous n'avons pas gommé ni Genève, nous n'avons gommé ni GPEP. Nous avons gommé peuple haïtien pour nous garder la dignité pays nous, pour nous sauvegarder. Souveraineté pays nous, à dignité nous gagnons nous-mêmes comme peuple pour nous vivre ça pour nous. Opinion haïtienne en dedans pays d'Haïti, avec la diaspora, dépamment par rapport avec l'idée pour une force étrangère t'avine aider l'État gérer l'insécurité. Gen moun ki kwè situation rive nan pou un côté Haïti besoin assistance étranger, tandis que gen lot ki kwè fòk se haïtien ki solutionne problème Haïti. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et pendant que la crise a continué, suspense en tout a continué sous composition officielle avec installation conseil présidentiel transition pendant que CARICOM dit discussion yo a continué. Nous gen sou place nan Port-au-Prince, Yves Manuel. CARICOM déjà voyé nos membres conseil présidentiel transition avec premier ministre démissionnaire pour suite légale. Yon proche collaborateur Ariel Ri confié mercredi à VOA Creole, ancien chef primatien qui trouvait dans Porto Rico depuis plusieurs semaines, prend engagement pour publier non sa yo dans journal officiel Le Moniteur avant longtemps. Si tout allait bien, installation membres conseil yo capable fait plus rapidement possible selon sa source ça qui pas de nous citer fait connait conseil présidentiel là qui la donne désormais membres sa yo Edgar Leblanc fils Leslie Voltaire Marie Giseline Montpremier Fritz Alphonse Jean Laurent Saint-Cyr avec Louis Gérald Gilles et l'autre deux membres observateurs yo c'est Pierre Raymond André avec René Jean Jumeau siège petite de Saline toujours été vacant pour le moment avec discussion qui en cours sous façon pour régler question selon sa nous apprenne. Créer conseil présidentiel là, c'est youn, mais installer, c'est ça qui est plus difficile là. Et vrai problème yo pral vini avec sélection yon premier ministre ak yon président selon diverses politiques qu'a réfléchi sous question. Dans l'intervalle, protocole 17 octobre, yon regroupement parti politique déjà soumet représentant pa yo by CARICOM dans l'idée pour compléter conseil là. Depuis plusieurs semaines, gang Ameo lancé assaut contre diverses institutions publiques ou privées dans la capitale haïtienne. Gang yo tué, brûlé et puis allé à toute sa rejoindre sous passage
sans crainte. Dans la foulée, unité spécialisée police nationale d'Haïtien a tenté repousser eux dans certains endroits, mais résultat semblait pas pour demain. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et par cela, il y a un leader droit monde qui souhaitait que la communauté internationale là courir vite aider peuple haïtien qui a fait face à une grosse crise. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Dans le moment où le pays d'Haïti a fait face à une crise socio-économique, crise humanitaire, grand goût et chômage, côté même la banque PACA fonctionnait à cause d'insécurité et instabilité politique, M. Anel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense de l'homme, exhortait la communauté internationale là pour venir en aide à peuple haïtien pressé, puisque selon M. Rémy, conseil présidentiel qui est formé pour installer dans le pays, pas légal, ni constitutionnel, il pape dans l'intérêt du pays d'Haïti. Puisque nous avons dans le Caraïbe là, nous pas un pays isolé. Et ça fait nous dit, faut que la communauté internationale dégage et réagir rapide pour porter soutien ensemble avec nous, parce que nous pas capable. La police a fait effort, c'est vrai, mais la police n'a pas capable pour tout. Dans ce sens, moi exhorté que bon mesure, on décision prend à plus grande échelle pour supporter le peuple haïtien. Conseil présidentiel va le venir. Mais le conseil présidentiel n'a pas dirigé contre lui. D'ailleurs, son conseil présidentiel qui parle de facto. Son conseil présidentiel qui n'est pas basé sur la loi. Son conseil présidentiel qui n'est pas essentiel dans le moment pays. Par aucun côté, conseil présidentiel ça n'est pas basé dans la Constitution. Moi-même, comme avocat, je suis obligé de veiller à cela. M. Anel Rémy pose une question pour demander est-ce que même conseil présidentiel a capable de serment devant juge pour cassation yo sous qui base en vertu qui article dans la constitution li plaider en faveur yon seul personnage parmi sept membres yo pour capable régulariser situation. Est-ce que li pa vinn un coût économique pour pays a? Est-ce que li pa affecter dépenses l'état? Est-ce que li pa gen impact sous dépenses l'état, sous caisse l'état? Pour qui ça? Alors c'est position nous comme avocat, pour qui ça? Nan mitan conseil ça, yo pa fon choix final. Te di 5 moun sa ou 6 moun sa, ou mitan ensemble di bon, n'ap rezignen nou, n'ap désigner nou un seul moun. Te di son effort et titanesque lié, mais faut le faire pour le bien du pays. Pendant ce temps, conseil présidentiel transition capable installer incessamment selon information yo, rete quelques formalités pour remplir. En cours publication dans journal officiel l'État les moniteurs non personnalité qui fait partie entité ça Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Là on est toujours dans pays d'Haïti et nous parlons Kafoufeu côté yon et soi-disant chef gang recevoir un gros accueil dans la population qui et yon même gain occasion retourner la caillou. Valérie Saint-Louis gain détail sur point ça. Chef gang qui t'ai fait sauver dans prison principale Port-au-Prince là. Télé les partisans liés hier mardi 19 mars là, puis ils reprennent contrôle commune Kafoufeu là, qu'ils ont été perdus devant une autre gang ennemi liés après arrestation. Ezekiel Alexandre fait connaître que les retournés dans Katilia et population tout doit retourner. Bah avec un cap déchiré, les moyens sont dans casé, les moyens pour le bon timon, avec plus gros hôpital zone là, si j'en ai plus casé. Mais je me dis ah, les assemblées là. C'est garder nous avec la population qui est retournée là. Mais on connaît, c'est un bail qui est facile, le gars du jour demain. Mais on connaît, avec la support population, on a fait ça de bon cœur. Ezekiel Alexandre est sauvé dans la pénitentiaire nationale là, dans le commencement mois ça. Il était joué à l'arrestation là, dans le mois juin 2022 là, dans la commune Kafoufeuille là, pour soi-disant participation là, dans l'acte en cours tout le monde. Possession d'armes à feu illégales, viol et vol armé. Pendant qu'il retourne dans la zone, Ezekiel Alexandre est débarqué à la tête du full moon qui était en vue de retourner la caillou après que gang Tilapio t'ait fait au courir échapper pour lui et dépossédé de caillou. Aujourd'hui, on l'a content parce que je tourne Kafoufeu, c'est grâce avec Ezekiel Alexandre. Parce que je ne peux pas capiller, j'ai une série de zones, je ne peux pas capiller. Mais si on pile la journée aujourd'hui, nous piler, on est grâce avec lui-même qui fait nous piler. Ezekiel Alexandre, un soi-disant chef gang qui t'est sauvé dans la prison, retourné reprend quartier Kafoufeu avec un full moon de li qui décide nettoyer zone dans deux bandits ak fatra yo jan plus tard retourner vivre la caillou après visite de li dans zone là population connaît c'est tourner pour retourner la caillou pour venir réparer caillou parce que côté abdomen là bouillant
yo, il va bon. Vous comprenez, l'école crasée, tout le monde qui a fait un crasé net. Mais où on est? Il n'y a pas qu'à faire un gros point. C'est dialogue. Les qui crasent les zones, comme Chita avec eux, Chita avec eux déjà, comme Louis, tout, mais Chita avec eux. Et ils ont un téléphone intelligent avec eux. Ils ont une population. Mais nous connaissons, retirer comme dans la zone de la population qui n'a pas rappelé que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a annoncé semaine passée que le temps démissionné une fois que le conseil présidentiel là, qui a 7 membres la dernière qui est capable de voter, à deux observateurs qui sont dans différentes coalitions politiques et secteurs dans la société, tu vas mettre en place. Pendant ce temps, la capitale pays a été paralysée avec plusieurs nouveaux attaques qui étaient faites. T'as coup dit fait dans la prison principale là, qui quelques jours avant ça, yo te wè prisonnier sauvé avec tout résident Sky privé chef police nationale là, que bandi yo te attaqué et mette dit fait la donne. Pouvez ou à créole. Valério Saint-Louis, New York. Merci Valério Saint-Louis. Dans l'actualité internationale là, c'est toujours guerre Israël Hamas là qui continue et qui domine l'actualité internationale là. C'est comme ça secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il arrive jeudi mercredi dans Arabie Saoudite pour première étape sixième voyage li dans la région Moyen-Orient depuis guerre Israël Hamas là commencé. Objectif li c'est une autre fois encore c'est joindre cessez-le-feu chef diplomatie américaine qui gagne pour visiter Israël vendredi Kavina dans moment qu'on gon gros tension entre la Maison Blanche avec Premier ministre Benjamin Netanyahu et ben chef diplomatie a visité Israël vendredi et l'a gagne pour faire un stop tout dans pays Égypte côté que objectif la clair c'est joindre un cessez-le-feu pour capable et camper détérioration qui gagne dans région Gaza qui fait face à une crise humanitaire sans pareil toujours dans international là et actualité concernant les États-Unis deux tribunaux différents ici aux États-Unis rendent jugement différent sous loi état Texas qui était en place contre immigrants illégaux yo un reportage Serge Rodriguez. Hier mardi, le Supreme États-Unis, qui s'est pris au tribunal pays, a rendu un verdict pour permettre l'État Texas de mettre en application loi qui visait considérer comme un crime action migrant qui a jambé frontière États-Unis partagée avec Mexique là illégalement. Mais on l'a jugement et un coup d'appel rendu sur le dossier jeudi mercredi 20 mars la même, question en prend une autre direction, puisque les policiers de l'État Texas n'ont pas le droit encore pour arrêter les suspects qui entrent sur le territoire américain sans papier. Ingrid Legal, ça, c'est un bagage qui était dans main depuis le mois de décembre passé, soit un petit bout de temps après le gouverneur d'État Texas, Greg Abbott, a signé une mesure controversée pour criminaliser les migrants qui ont débarqué ici aux États-Unis sans autorisation. M. Abbott précise la Constitution en bas le droit pour passer à l'action. Moi, j'ai utilisé un article dans la Constitution qui a été le droit pour défendre tête. Le gouverneur de Texas a fait connaître l'État de diriger a besoin de loi du fait que le président Biden n'a pas appliqué la loi fédérale pour empêcher les migrants d'entrer et réentrer sur le territoire américain, concernant la guerre de Texas dans la nécessité pour défendre tête. Pour bien dire, la loi immigration de Texas a menacé pour mettre illégal dans la prison pour 20 ans. Sous bon parler, l'administration président Joe Biden a lancé une action en justice pour bloquer la loi sous base que l'y violer la Constitution États-Unis avec la loi fédérale de ce que l'y empiété sous pouvoir gouvernement fédéral là qui a un seul droit pour régler la question immigration. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères pays Mexique, Alicia Bárcena, a abordé le dossier brûlant ça. Qui ça donc a fait pour contrecarrer causer négatif ça? Ouais, ça qui est important, c'est dit que nous possédons une stratégie sous mobilité humaine, Mexique est un modèle unique qui peut exister dans aucun autre pays. Un modèle qui est basé sur pays d'origine, lieu de transit, lieu de destination et date de retour. Modèle ça, c'est modèle panneau. Ministre des Relations extérieures mexicaines, Alicia Bárcena, a qualifié loi État Texas là comme une approche anti-migrant, mais qui a créé ça pour monde qui sortit dans pays étranger. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Rodriguez, n'a pas retourné en réaction sous crise qui a traversé le pays d'Haïti. Et nous parlons dans le pays Brésil, côté que la communauté haïtienne, il y a même tout une réaction sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, Et nous avons Chelsea Jean-Baptiste, depuis Brésil. De jour en jour, situation pays d'Haïti a fini plus mal à cause d'un guio qui passe spawn crasé brisé. Ça qui si l'on haïtien qui a vécu au Brésil, pas fait fierté haïtien devant notre nation. Parce que moi-même qui là au Brésil, je me sens mal à l'aise, je me sens bien. Comment on peut imaginer? Il y a des images, les cités haïtiennes, c'est vraiment qui a vécu pendant le Brésil là, il n'y a pas de problème. C'est les gens blancs, les gens brésiliens, Abdou, mais ça a passé dans le pays. Là, on sent tout un problème, on sent tout humilié.
Pour ça qui a un rapport à l'autorité qui a bien pour assurer transition, implication communauté internationale là pas nécessaire. Si nous voulons quoi, quelques haïtiens qui te réagi dans le micro VOA créole. Ça veut dire c'est CARICOM, là nous parler de corps groupe là qui vient là dans plusieurs pays entre les États-Unis d'Amérique. Nous c'est eux même qui prend décision dire qui monde qui doit président c'est eux qui établit critère. Mais c'est pendant c'est nous même entre nous même haïtiens qui ça veut dire un monde qui pas de peine en Haïti qui pas de aucune peine en Haïti qui est arrivé sénateur de la République dans pays qui a un casier judiciaire li, qui a un certificat de bonne vie mais c'est très net. Ça veut dire monde ça c'est pas seulement pression et étranger pour faire pas occuper quel que soit poste là mais nous bail appui inconditionnel avec le sénateur Maurice Jean-Charles qui c'est leader regroupement Petite Dessalines qui bail position avec trois monde qui vient parmi la famille au sénateur Guy Philippe. C'est pas vraiment Guy Philippe qui solutionne non. Mon qui même avec vous nous commence à avancer puis devant. Choix que nous besoin dans moment là yo, c'est choix de conscience. C'est choix de sentiment, c'est choix de caractère, c'est pas choix nous parler quitter monde. Je vais t'amener nous. Nous même lorsque nous parler pour nous parler selon yo dit blanc yo dit. Faut que nous dit jusqu'à présent, il y a un pile d'autres sur ça qui a rapport avec mission conseil présidentiel transition 1. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley. Et puis hier, c'était fête Saint-Patron, Villefort-Liberté, fête Saint-Joseph. Et nous pourrons rejoindre, et Jodelet Junior Saint-Ville qui pourrons parler nous plutôt de et en mise à jour sous canal là. Travail construction canal irrigation rivière Massacla, c'est un signe vivant qui montre haïtien capable sauver agriculture pays d'Haïti parce que nous gain trop de l'eau cap gaspiller qu'elle tomber dans la mer. C'est avec parole ça yo, ingénieur Claude lui, commencé une interview li té bay VOA Créole pendant nous t'al visiter travail construction canal sous rivière Marion en aval. Paysan dans zone Malfiti yo commencé fouiller. Selon ingénieur Claude lui qui poté expertise li dans construction canal ça, l'est arrivé pour nous mettre de l'eau cap gaspiller en valet. L'eau ça, c'est lui-même on était capable de qui avale Marion. Travail que le président Jovenel le cap fait yo. C'est aval. Mais cependant, l'aide l'eau arrive là, ils font dispatching. Ils distribuent pour Concolette, ils distribuent pour Gat Saline et ils distribuent pour Jean Pantalon. Qu'en après depuis longtemps que de l'eau ça yo c'est gaspillé yo a gaspillé qu'on y a nous mêmes nous décider pour nous motiver pour nous capable mettre de l'eau en valeur et c'est parce que nous pour mettre de l'eau ça yo en valeur qui permet que nous vienne joindre KPR qui veut dire canal Pired et dans Malfetti. Pose la question dans qui niveau yo yé à construction nouveau canal ça dans Malfetti et qui groupe moun k'ap bay force courage yo là-dedans. Ingénieur Claude lui te répond comme ça. Exactement, du mois de novembre à jodi an, nous en phase de fouille et côté que nous té balion large et qui a passé à 1,60 m de large qui a passé à 0,80 cm. Pour que nous capables fouiller toute trajectoire de 7 km environ. Pendant que nous avons passé de 4,6 km. Que nous avons peuple en fouillé ensemble avec nous. Ingénieur Claude, lui, était tout profité, lancé un appel à tout haïtien pour porter contribution par eux dans la construction du canal Sahara dans Malfiti. Nous faisons appel à chaque grain haïtien qui a vive dans le monde là pour que nous capable avancer à travail là pour captage là pas spécialement et comité a tellement organisé nous commencer recevoir ciment comité a gétant recevoir ciment yo gen un bureau yon dépôt parce qui là pour recevoir nous gagné agronome Jonathan Cosmos qui c'est président que n'importe monde qui veut bay aide li l'a prélé dans 42 76 45 82. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Malfetti, commune Fort Liberté, pour VOA Créole. Merci, c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. Dans côté que nous avons été mis à jour, et hier c'était fête. Et Saint-Patron, ville Fort Liberté, qui c'est Saint-Joseph, donc c'était célébration. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Là, nous voulons remercier de façon spéciale Sibas, qui c'est n'est pas nous, Semblier Rob McLean, qui derrière, et puis équipe solide VO Acréola, Gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abelard, Fred Kaimit, Jean-Robert Philippe, envoyé spécial nous, Trouvel en République Dominicaine. Moi, c'est Jacques Nabélisa qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain.
Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous.